des participants et aussi la réussite de notre équipe. Ce soir, nous avons développé une présentation de réussite. En fait, nous avons présenté 6 femmes qui aujourd'hui travaillent ou qui sont devenues indépendantes. Le fait de faire entrer en contact entre femmes qui passent la même situation, ça motive beaucoup les autres femmes. Voilà, au niveau des cantons, on avait commencé à aujourd'hui on est à 3. Ici, à découvrir, elle regarde, elle trouve des autres personnes qui ont des clés et qui ont des réflexions, des conseils pour dire voilà, moi j'ai fait comme ça, fais-toi comme ça, ou peut-être je peux t'aider, parce qu'il y a aussi cette solidarité entre nous. J'ai pu éclaircir mon projet, donc ma motivation est remontée. J'ai pu suivre donc une formation pour compléter mes connaissances, et grâce à ce réseau, grâce à ces nouvelles amitiés qui se sont formées, j'ai trouvé un travail, un poste. Je suis professeure d'anglais et de russe. Je suis russe. Très important d'être persévérante, de ne pas lâcher le métier que vous aimez, d'avoir la foi, d'avoir la confiance en vous-même, malgré les gens qui peuvent vous conseiller de changer votre métier. Si c'est vraiment c'est votre passion, il faut insister, il faut continuer. Je suis arrivée à Genève l'année 2010 parce que je me suis mariée avec un Suisse chilien. Et j'ai dû tout laisser derrière moi, mes 10 ans d'expérience dans ce temps en tant qu'architecte indépendante. Et parce que j'avais mon bureau au Chili, mais je dû le liquider. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée en tant que femme migrante qualifiée. Bah, en fait, ça m'a pris 6 années de devenir indépendante. J'ai dû passer 3 années en tant qu'employée pour me faire vraiment un aperçu de mon métier ici en Suisse. Là, sans savoir un mot de français, j'ai réussi à avoir un stage. Il faut apprendre la langue, bien sûr. Il faut faire quelques formations aussi. Surtout, commencer tout de suite à créer un réseau professionnel. Ensemble, nous allons commencer cette nouvelle aventure basée sur la confiance. Parce que d'abord, on était des amis. C'est vrai que quand je suis arrivée ici, j'avais un peu de dépression parce que, en fait, vraiment migrer, c'est pas évident. Alors, j'étais vraiment dépressive à ce moment-là. Alors, c'est pour ça que la formation des proactes qui fait découvrir, ça m'a donné vraiment la confiance en soi. Ça m'a donné tous les outils pour pouvoir surmonter cette migration. Je veux dire que c'est un peu douloureux de laisser la famille. Et grâce à ça, je peux prendre la force et la confiance pour tout surmonter, en fait. C'était un coup de force découvrir pour moi. Ouais. Donc, à découvrir, nous les aidons dans toutes ces démarches qui vont les faciliter l'intégration professionnelle, qui finalement, c'est notre but ici à l'association Découvrir. Voilà, au niveau des cantons, on avait commencé à aujourd'hui on est à 3. Merci beaucoup.